Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Merci, nous commençons. Du côté du Burkina Faso, le gouvernement compte mobiliser près de 152 millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme au Burkina. Le gouvernement burkinabé compte mobiliser 152 millions d'euros pour un fonds de soutien à la guerre contre le terrorisme qui frappe de plus en plus le Burkina Faso depuis 2015. Ce fonds de soutien doit nous permettre de lever 100 milliards de francs CFA pour l'année 2023, a déclaré vendredi le ministre de l'économie et des finances. Ces 152 millions seraient l'équivalent de ces 100 milliards de francs CFA. Aboubakar Nakanabdo, à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition Ibrahim Traoré, le patronat burkinabé et des partenaires sociaux. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a décidé de recruter 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, qui seront payés 60 000 francs par mois, soit 91 euros, a-t-il rappelé. Outre cette prise de charge, il y a des armées à payer pour les équiper, des tenues pour leur habillement, des engins et du carburant pour leur déplacement, a précisé M. Nakanabo. En plus des contributions volontaires qui ne suffiront pas, il y a l'idée d'un prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs, y compris les députés, pour accompagner la lutte contre le terrorisme, ainsi que des taxes sur la consommation de certains produits comme le tabac, la connexion internet et des produits de luxe, a-t-il dit. Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement frappé par des attaques terroristes qui ont fait des milliers de morts et contraint quelque 2 millions de personnes à fuir leur foyer, selon des estimations. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un pouce bleu et aussi votre commentaire. Merci, à nous revoir pour de prochaines vidéos.